Je vous présente aujourd'hui notre 444e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors Jacques Chirac, on vient de l'apprendre, a été hospitalisé depuis 2 jours, dans un état critique. Vous vouliez dire un petit mot à son sujet ? Bon, écoutez, que peut-on dire d'un vieux monsieur malade, sinon de lui souhaiter d'aller mieux ? Je dois cependant vous dire que je dois faire appel à mes réserves de charité chrétienne, parce que Jacques Chirac s'est toujours conduit à mon égard de manière déloyale, mais, ma foi, je veux bien oublier cela au moment du départ. François Hollande a été élu mardi homme d'État de l'année par une haute instance confessionnelle américaine et déclaré dans la foulée, l'après-midi même, à l'Assemblée générale de l'ONU, vouloir faire tomber Bachar el-Assad. Cela aurait-il, selon vous, une relation de causalité ? Ben écoutez, il joint le comique à l'odieux, parce que le comique, c'est de voir à New York, un monsieur qui a 13% de confiance dans son pays, dans le pays où il est président de la République, couronné comme homme d'État de l'année. C'est dérisoire. Bon, quant à la revendication de destitution de Bachar el-Assad, elle est du registre de l'odieux. Les Syriens sont en guerre contre Daesh, et il est évident que le départ de Bachar el-Assad signifierait une victoire de Daesh. Mais la situation est telle en Syrie qu'elle frise l'anarchie, et une anarchie à laquelle M. Hollande n'est pas tout à fait étranger. Alors Barack Obama estimait avant-hier, lors de la fameuse Assemblée générale de l'ONU, que les pays européens devaient fournir plus d'efforts afin d'accueillir plus de migrants. Était-ce une forme d'humour ? Oui, je pense, parce que nous avons assez de recevoir des leçons de gens qui devraient donner l'exemple. Je rappelle quand même que pendant la guerre, ce sont les Anglo-Saxons, c'est vrai, les Américains et les Anglais surtout, qui se sont opposés à toute sortie des Juifs d'Europe. Alors Donald Trump provoquait quant à lui lundi un véritable tollé général, comparant les réfugiés syriens à des Skittles, une sorte de friandise américaine. Et donc ça n'a pas du tout été apprécié par l'intelligentsia américaine. Avez-vous été choqué par ce terme ? Non, bien sûr. Dans une campagne électorale, il y a différentes saillies qui sont de plus ou moins bon goût. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, tout de même, il y a une liberté d'opinion que nous ne connaissons pas dans notre pays. Et de cela, après tout, on peut critiquer Donald Trump pour des saillies qui ne sont pas toujours de très bon goût, mais ça, c'est la vie, c'est pas un problème. Le problème, c'est le problème de la liberté d'expression. Et ça, il faut féliciter l'Amérique d'avoir établi et maintenu ce système de liberté qui n'existe plus chez nous, hélas. Alors l'Autriche a entamé la construction de sa clôture de 2 km de long, délimitant la frontière austro-hongroise, point de passage stratégique de centaines de milliers de migrants depuis janvier 2015. Sera-ce, selon vous, suffisant pour geler le flux, ou bien est-ce peine perdue, Président ? Non, rien n'est peine perdue, tout effort doit être salué, mais on peut douter de l'efficacité d'une telle mesure face à l'ampleur du problème qui est posé par l'explosion démographique du monde et par la migration massive en direction de l'Europe. Dès que vous devenez français, vos ancêtres sont gaulois. Qu'a voulu dire Nicolas Sarkozy lors de cette sortie ? Je pense qu'il a voulu dire que la culture nationale se référait depuis traditionnellement, et en particulier depuis les hussards noirs de la République, l'école publique de la troisième, à nos origines gauloises. C'est Michelet qui avait insisté sur l'origine gauloise, estimant que les Francs étaient les aristocrates et que par conséquent les Gaulois représentaient le peuple. Alors en effet, se référer aux Gaulois quand on devient français, après tout, n'a rien d'absurde, c'est une image et qui a sa valeur, je trouve. Alors 16 000 places de prison supplémentaires d'ici 2025, budgétisées à 3 milliards d'euros, dont qui sera versé dans l'immédiat. Selon vous, n'est-ce qu'une promesse électorale ? Oui, je crois que c'est cela. Mais je dois le rappeler pour la énième fois que j'avais demandé en 2001, en 2002, la campagne, que nous construisions 100 000 places de prison qui correspondaient à l'augmentation de la population, à la diversité qui conditionnait une aggravation des délits et des crimes, et aussi à la vétusté de beaucoup de nos
prison. Mon appel n'a pas été entendu. Aujourd'hui, on fait des promesses pour demain alors que la situation est scandaleuse. Alors, la construction du mur de Calais s'est amorcée, un mur végétalisé censé empêcher les migrants d'accéder au port qui leur permettrait ensuite de traverser la Manche. Est-ce une solution sérieuse selon vous? Ben non, parce que ça institutionnalise la présence d'une ville immigrée aux portes de Calais. Et même si Monsieur le ministre de l'Intérieur organise la distribution de ces migrants dans les différentes villes françaises, Calais servira de réservoir. Dès qu'on l'aura vidé, il se remplira. C'est évident. Il faut supprimer carrément la jungle de Calais et s'opposer à l'entrée des immigrés clandestins dans notre pays et même des autres. Alors, ça aurait pu être une histoire belge, cependant rien de plus réel. Des policiers belges ont été pris hier matin en flagrant délit de largage de migrants au beau milieu d'un champ de maïs en territoire français à 500 mètres de la frontière franco-belge. Quelle a été votre réaction? Écoutez, si je comprends bien, les Belges exportent illégalement leurs immigrés en France. Il y a là évidemment une atteinte à la souveraineté française qui doit être sanctionnée. Il est inadmissible que des autorités, parce qu'il s'agit de policiers belges, puissent venir déposer leurs migrants comme on déposerait des poubelles dans notre pays. C'est insupportable. Il semblerait que ce ne soit pas la première fois d'ailleurs. Oui, oh ben. Alors, vous réunissez tous les patriotes mercredi 28 prochain, donc à Mormant, en Seine-et-Marne, à partir de 19h30, autour d'un banquet patriotique et familial. Vous vouliez dire un mot à ce sujet? Oui, mais écoutez, je fais ma petite rentrée personnelle et je pense que il y aura un certain nombre de nos amis qui seront intéressés par le point de vue, les points de vue que je pourrais développer relativement à l'actualité et surtout à l'avenir. Ils sont tous conviés, à venir bien sûr, et il y aura d'autres réunions, je pense qu'il y en aura une dans le Var à la fin du mois d'octobre, et puis peut-être d'autres à la mesure de mes possibilités. Bien, alors vous vouliez consacrer aujourd'hui un plus long chapitre à une partie de vos lectures estivales. Ah, mon Donc Dieu, nous vous alors là. écoutons. Je ne pourrais que les énoncer parce que je ne vais pas les commenter, mais simplement dire que j'ai lu un certain nombre de livres et ils ne sont pas tous là. Il y en aura pour la prochaine fois. Alors, Bien. le premier d'entre eux, c'est L'Odyssée des marins. C'est un livre qui m'est cher, il s'est produit chez Robert Laffont et c'est Olivier et Patrick Poivre d'Arvor, les deux frères, le présentateur de la télévision très célèbre, et son frère qui est un diplomate, qui est même, je crois, un ambassadeur actuellement. Et c'est évidemment l'histoire des marins français. C'est une longue histoire, assez tragique, il faut le dire. Alors ça, c'est un livre de Christine Claire, qui s'appelle Les Conquérantes et qui évoque les dames de la politique. C'est un livre qui est paru chez Nil. Et qui évoque les Aubry, Dati, Duflot, Philippe Petit, Hidalgo, Lagarde, Le Pen, NKM, Pécresse, Royal, Taubira, Veil, bref, toutes les femmes de la politique française vues par une femme des médias français. C'est un livre intéressant et même passionnant. Que reste-t-il de notre victoire? C'est un livre de Natalia Narodchinskaya. Qui est important, qui est une réflexion sur la Russie de nos jours et qu'il fera comprendre à beaucoup de gens pourquoi nous éprouvons une certaine sympathie pour Poutine malgré les réserves qu'elle peut exprimer. Alors ça, c'est un livre ancien. Son auteur est mort, c'était un membre du bureau politique du Front qui s'appelait Pierre Descaves et s'appelle La salsa des cloportes. Et je dois dire que je l'ai relu avec plaisir, d'abord parce qu'il est imprimé en gros caractères, ce qui pour moi est un confort supplémentaire, mais surtout parce qu'il évoque la décadence française avec beaucoup d'esprit, de talent et de vigueur. Ah, ça, c'est un livre qui m'a été offert. C'est un livre d'Édouard Drumont. L'homme est très sulfureux, comme on le sait. Et ça s'appelle Fleurs et tombeaux. Et évidemment, c'est un des livres
d'Édouard Drumont qu'il faut avoir lu parce que c'est un grand auteur, un grand philosophe et un grand sociologue. Et je crois que si vous en avez la possibilité, faites-en l'acquisition, en tous les cas, empruntez-le dans une bibliothèque si toutefois il n'en a pas été banni. Alors ça, c'est un livre qui m'a été offert. C'est un livre de Frédéric Mistral. Frédéric Mistral, dont on sait qu'il a été le chantre du parler méditerranéen, et qui est un livre qui paraît chez Oberon. C'est Mes origines, mémoires et récits de Frédéric Mistral. C'est rafraîchissant. Un livre sur Vladimir Poutine. Un livre de Frédéric Ponce, sorti chez Kalman Levy, qui aide aussi à comprendre le phénomène Poutine en Russie. Et je pense la chance qu'a eu le monde d'avoir à la tête de ce pays pour assurer une transition difficile du communisme vers la démocratie autoritaire, d'avoir un homme comme Poutine, avec la crainte que, reposant sur un homme, l'évolution de la situation en Russie demeure fragile. Cependant, le livre est intéressant. Il est écrit par un journaliste, je crois, de Valeurs Actuelles. Puis alors aussi, à titre de phénomène quand même, pour vous montrer combien ça n'est pas très facile d'assumer la lecture de ce qui sort, le racisme anti-blanc, d'un livre de Laurent Avis qui, en près de 1000 pages, raconte les aventures de l'auteur, les difficultés qu'il a rencontrées en tant que citoyen normal français. Alors, si vous avez le courage, moi je ne l'ai pas eu tout à fait parce que je l'ai parcouru, il faut dire, j'en ai lu certains chapitres, mais je n'ai pas pu lire les mille pages, enfin les 870 pages de ce pavé énorme que je vous déconseille de vous laisser tomber sur les pieds, sous peine de vous avoir une fracture du métatarse. Je vous remercie mille fois, cher président. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Au revoir.